Bonjour les enfants, voici la leçon C7 des défis calcul. Tu vas apprendre à calculer des additions jusqu'à 99. Je sais déjà faire une addition. Tu as raison. Rappelons qu'une addition, c'est ajouter quelque chose, c'est faire plus. Si tu dois calculer l'addition 6 plus 13, tu sais déjà utiliser les techniques de champion. La tête et tes doigts, ou encore la frise numérique. Le résultat de cette addition est 19. On va revoir ensemble ces techniques de champion. Revoyons ensemble la première technique de champion. Les additions que je vais te proposer seront toujours de ce style-là. 37 plus 6. Il y aura un nombre à deux chiffres et un nombre à un chiffre. Ici, souviens-toi de la première technique de champion. Il faut que tu cherches le plus grand nombre du calcul et que tu le mettes dans ta tête. Ici, c'est 37. Attention, le plus grand nombre n'est pas toujours en premier dans une addition. Il peut être en deuxième position, comme par exemple 6 plus 37. Une fois que tu as mis 37 dans ta tête, le plus grand nombre dans ta tête, ici, on doit ajouter 6. On va donc lever 6 doigts. Et on va compter. Après 37, il y a 38, 39, 40, 41, 42, 43. La réponse, c'est donc 43. Cette méthode est efficace si tu sais compter jusqu'à 99. Si tu ne sais pas compter jusqu'à 99 ou que tu hésites encore, ce n'est pas grave. On peut calculer ces additions en utilisant le château des nombres. Avant de l'utiliser pour résoudre l'addition, nous allons revoir comment on utilise ce château des nombres. Chaque ligne correspond à une famille. Ici, on a la famille des nombres à un chiffre, puis la famille des 10, la famille des 20, la famille des 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Pour lire le tableau, c'est presque comme la lecture. Quand tu finis de lire une ligne, il faut revenir à la ligne suivante. Pour cela, ici, il faut monter, alors qu'en lecture, on descend. Il y a des tableaux des nombres où il faut descendre. C'est pour ça que c'est très important de regarder l'ordre des familles. Faisons un exemple pour mieux comprendre. Si on veut compter jusqu'à 30, eh bien voilà comment je vais déplacer mon doigt. Suis le curseur rouge. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et je reviens à la ligne au-dessus. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je remonte à la ligne du dessus. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Et je remonte à la ligne du dessus. 30. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du château. Reprenons maintenant notre calcul. 37 plus 6. On place notre doigt sur le plus grand nombre du calcul. Ici, c'est toujours 37. On place son doigt sur la case 37. Puis, on ajoute 6. Cela veut dire qu'on doit avancer de 6 cases. On y va? 1, 2, ah! Ici, j'ai terminé ma ligne, donc je repars au début. On était à 2. 3, 4, 5, 6.
La réponse ici est 43. Attention, souviens-toi de ne pas compter la case sur laquelle tu démarres. Il faut toujours avancer. C'est exactement comme la frise numérique. Si tu as d'autres techniques qui fonctionnent, n'hésite pas à les utiliser. D'ailleurs, tu peux utiliser la frise numérique qui est affichée dans ta classe. Tu peux maintenant t'entraîner avec les défis calculs et n'hésite pas à regarder plusieurs fois la vidéo si tu en as besoin. À toi de jouer!